Agapit est le médecin désintéressé, le premier guérisseur de la Russie qui est Vienne, le moine de Kiev-Pechersk Lavra. Voici déjà plus de 1000 ans que ne cesse le flux de personnes vers ces reliques, que les gens croient miraculeuses. Et ce ne sont pas seulement des orthodoxes, mais aussi des représentants d'autres confessions, et même ceux qui se considèrent comme athées. Quel est le secret de cette influence merveilleuse du saint sur les gens? Quelle est la force du saint Agapit Pechersky? Allons faire un petit tour à la Kiev-Pechersk Lavra. Voici les portes sacrées principales de la Laure Haute. Au-dessus d'elle se trouve la plus ancienne des églises conservées, la majestueuse église au nom de la Sainte Trinité, de la Source de Vie. Elle est aussi appelée l'église de la Trinité sur la porte. Elle a été construite au XIIe siècle par le Saint Nicolas Svatosha, l'arrière-petit-fils de Yaroslav le Sage, qui était le premier prince russe devenu moine. Ayant passé ses portes, comme à travers le tunnel de sa propre conscience, on sort vers une vive lumière, comme si vers une perception du monde tout à fait différente. Au milieu de la place centrale de la Laure Haute se trouve la cathédrale principale de Kiev-Pechersk Lavra, qui est la cathédrale de l'Assomption de la Très Sainte Vierge. Si vous regardez la carte de Kiev-Pechersk Lavra, vous verrez combien d'églises sont dédiées à Marie. Ayant passé dans les portes et ayant tourné à droite, on peut se retrouver dans une petite cour, calme, entourée par les anciennes cellules des moines conciliaires de la cathédrale, le grand clocher de la Laure et l'ancienne maison du gouverneur de la Laure du 18e-19e siècle. Le symbole singulier de cette petite cour est le monument de la jeune fille, tenant dans les mains la croix et le calice. En utilisant les indices des livres d'Anastasie Hanover, on se rend compte que ce n'est pas simplement une figure féminine. On se souvient de l'image de Marie-Madeleine tenant la coupe du Saint Graal, le symbole du grand mystère et de la manifestation de la force divine, le symbole de l'amour de Jésus, le symbole d'agapé, qui se traduit du grec comme l'amour divin. La vie cachée et la vie apparente d'Agapit semblent bien entrelacées. C'est comme si les gens d'aujourd'hui marquent par les signes particuliers et sans même le savoir chaque lieu qui était autrefois spécial pour lui. Que signifie cela? La perception subconsciente par les gens d'une force immense, inconnue, fixée ici, ou d'une coïncidence fortuite. Si tournée à gauche, des portes sacrées de l'église de la Trinité sur la porte, alors à travers le passage sous l'arche, on peut entrer sur les territoires de l'ancien hôpital monastère Nikolski. Sur la façade de l'église, fondée par le Saint Nicolas Svatosha, au XIIe siècle, est accroché le bas-relief d'Agapit Pechersky, sur lequel il est écrit « Au médecin de l'ancienne Russie, Agapit, 11e-12e siècle de notre ère ». L'exploit spirituel du médecin Agapit Pechersky, l'anargyre, a servi d'exemple pour des générations entières des gens qui ont décidé de consacrer leur vie à Dieu et à l'aide aux gens. Dans une des anciennes cellules des moines conciliaires de la cathédrale, où se trouvent maintenant les galeries du musée historique de la Laure de Kiev-Pechersk, on peut trouver une exposition unique
elle présente des bustes représentant l'apparence véritable de certains saints. Dans les reliques, repose dans les grottes. C'est Nestor, le chroniqueur, dont l'ouvrage est devenu le fondement pour la rédaction du Patericon de Kiev-Pechersk, la vie des moines honorables de Pechersk. Varlaam, l'égoumène Pechersky, 11e siècle, le fils du boyard de Kiev, le premier prieur du monastère de Pechersk. Il a commencé la construction du premier monastère en bois avec l'église au nom de la Dormition de la Vierge Marie. Il y a aussi le buste d'Ilia de la ville de Mourom, le guerrier légendaire. Le couronnement de l'exposition est le buste du Saint Agapit Pechersky, l'anargyr, le médecin désintéressé, connu de nombreux exploits spirituels. L'auteur de ces œuvres uniques est le scientifique Sergueï Alexeïevitch Nikitine. L'homme qui, après presque 1000 ans, après la mort des saints, a réussi grâce à la méthode scientifique de la reconstruction anthropologique de Mikhail Gerasimov, a recréé leur apparence véritable. Et aujourd'hui, nous pouvons voir ces saints tels qu'ils l'étaient de leur vivant. À côté de Sergueï Nikitine, de nombreux autres scientifiques travaillaient sur les reliques, faisant leur propre recherche unique dans ce genre. Les résultats sont simplement époustouflants. Les études ont démontré que placées près des reliques d'agapite, les plantes vivantes modifient leur croissance. L'eau change également, acquérant les propriétés curatives. Il s'est avéré que près des reliques, le fond de radioactivité baissait. Elles ont un fort effet bactéricide sur la qualité de l'air. On considère que la raison de ces phénomènes inexplicables, à côté des reliques, réside dans une énergie qui n'est pas encore étudiée, dont la nature n'a pas encore été expliquée par les scientifiques, tout comme son caractère cyclique mystérieux. Puisque date précise, pendant la semaine à partir du 25 février, la force du champ mystérieux, à côté d'Agapit Pechersky, se démultiplie. Les reliques d'Agapit Pechersky reposent dans les grottes de proximité qui se trouvent sur les territoires du monastère inférieur, où on peut pénétrer soit du territoire du monastère supérieur, soit par la seconde entrée. On peut visiter les grottes et les reliques d'Agapit Pechersky à deux fois. Une fois, de façon indépendante, pour ressentir en silence toute la splendeur de la présence du Saint-Esprit. La deuxième fois, avec une visite guidée de Kiev-Pechersk Lavra, que l'on peut commander sur les territoires du monastère inférieur. Des excursions intéressantes sont menées par les prêtres reliquaires avec les reliques d'Agapit Pechersky. Ils essaient vraiment de traduire en paroles toute la beauté de la vie du monastère, ses histoires majestueuses, des événements et des miracles du passé et du présent. Et ils le réussissent formidablement bien. Il y a habituellement beaucoup de gens près des reliques d'Agapit Pechersky. Si on pense à ce médecin extraordinaire des âmes et des corps humains, le médecin de Dieu, par la grâce de Dieu, qui même après sa mort, continue à soigner les gens, on peut ressentir et s'imprégner de profond respect et de gratitude pour ce grand saint, en se souvenant de son regard pénétrant dans l'âme, s'approcher des reliques, le remercier sincèrement, avec ses mots, pour ce qu'il était, ce qu'il est. Réciter la prière pour le salut de l'âme. C'est dans ces moments de notre vie que nous nous remplissons réellement et nous ressentons la vraie grâce. Prière salvatrice pour l'âme. Mon Père véritable, sur toi seul je m'appuie et je t'implore, ô Seigneur, pour le salut de mon âme seulement. Que ta sainte volonté soit mon renforcement sur ce chemin.
puisque la vie, sans toi, est un instant vide, et seulement à ton service est la vie éternelle. Amen. Chaque personne, indépendamment du statut social, de la confession, peut venir au saint, attoucher au mystère de Dieu, ressentir la grande force du Saint-Esprit. Que signifie le 25 février pour vous? Le 25 février, c'est une fête, la vraie fête, la fête pour l'âme, le sentiment longuement attendu d'une certaine envolée intérieure, le contact avec ce véritable, avec l'âme, la possibilité de se rencontrer avec soi-même, la rencontre avec les gens qui sont proches par l'esprit. Cette semaine pour moi signifie énormément. C'est simplement au fond, comme la gorgée d'air pur, frais, ressentir la vie. Il est très compliqué de le traduire par des mots. Quand je suis entrée dans le monastère pour la première fois, je me suis sentie si léger, comme je ne l'ai jamais été, comme un nectar, comme un baume pour l'âme, encore une impulsion vers le développement spirituel, le vecteur vers la vie véritable. C'est un grand événement, tellement lumineux, beau. De plus, ce n'était pas simplement au niveau mental, cela a été vécu au niveau des sentiments profonds. Et vous savez, ce sentiment de l'unité véritable avec tout le monde, c'est la possibilité de s'initier pour la première fois dans la vie à quelque chose de très important, quelque chose qui vient de s'ouvrir, et ce qui est pour le développement. Pour moi, c'est l'événement le plus important dans ma vie. S'initier est à partir de ce moment commencer le travail en profondeur. La personnalité profondément respectée d'Agapit Pechersky est entourée d'un grand mystère. On parle de sa force spirituelle extraordinaire, de la semaine merveilleuse à partir du 25 février et des manifestations des vertus uniques en son genre, des reliques d'Agapit Pechersky, dans le deuxième volume du livre Sensei de la femme écrivain contemporaine et populaire, Anastasia Novak. Donc, après un certain temps, nous avons tous décidé de visiter Kiev. Ainsi, toute ma famille est partie du Vermont. Et à Kiev, je me suis rencontrée avec toute ma famille de la Slovaquie. Et chaque jour, nous visitions la Kiev-Pechersky Lavra. C'est une expérience spirituelle absolument merveilleuse. Pour nous tous, c'est tout simplement incroyable. En fait, je suis venue à Kiev après avoir lu le livre Sensei de Shambhala. Ensuite, j'ai lu Alatra et Ezosmos. Et quand les livres ont été lus, toute la famille, nous avons décidé tous que nous avions un grand désir commun de voir Kiev, d'aller aux reliques d'Agapit. Nous voulions nous assurer nous-mêmes que nous éprouverons quelque chose de très beau, d'improbable. Kiev est vraiment une ville magnifique. Et quant aux gens, j'ai rencontré ici des personnes très agréables, gentilles. J'ai été agréablement surpris comment on nous accueille ici, nous, les visiteurs. C'était un grand rêve de ma vie. Cette année, malgré tout, j'ai pu réaliser mon rêve. C'est pourquoi je suis très heureuse. Mais quand je suis descendue dans les grottes, j'ai ressenti une chaleur dans la poitrine. C'est une énergie positive indescriptible qu'il est difficile de trouver à l'extérieur. Je ressens à l'intérieur une sorte de grande fête. Mon âme chante et se réjouit. C'est extrêmement joyeux ce qui se passe ici à Kiev. Donc moi, en tant que scientifique, je pense que c'est très important pour moi. Les sentiments que j'ai dans les grottes sont vraiment incroyables. Je n'ai jamais ressenti auparavant, dans ma vie, des sensations pareilles à celles qui étaient là. Comme nous l'avons déjà dit avec mon mari,
Quand nous avons dépassé le carrefour qui conduit aux grottes proches, le lotus se déclenche lui-même. Il y avait une chaleur particulière à l'intérieur. Et plus nous nous approchons, plus la joie croît à l'intérieur. Le ravissement, on se sent comme un petit enfant. Et quand nous descendons dans les grottes, alors là, les sentiments débordent tellement que les larmes viennent même. Il est impossible de décrire ce sentiment. C'est une forte énergie qui passe à travers le corps matériel. Mais c'est le retour à la maison, l'éveil de l'âme. C'est le sentiment qui ne vient pas de ce monde. Et je pense que c'est pour la première fois j'ai ressenti que le livre ou le concept amène vraiment les différentes religions et cultures à l'unité. Cette période est la plus forte et positive. Il y a vraiment là-bas cette énergie incroyable. L'âme répond à cela d'elle-même. On ressent quelque chose de très proche. Oui, comme si le voici, c'est ça. Cela doit être comme ça, probablement. Voilà, c'est probablement pour ressentir profondément tout cela que nous sommes venus ici. Ces sentiments sont les plus importants sentiments de ma vie. Enfin, j'ai trouvé mon chemin et j'en suis reconnaissant envers Dieu. Et moi, je dois dire que cette semaine est spéciale. Elle a vraiment du sens et elle est magnifique. S'il y a un souhait de venir, les possibilités viendront. Partout où je me retrouverai, en Australie, en Amérique, dans n'importe quelle partie du monde, peu importe où, je viendrai à Kiev, chez Agapit. Combien de nombreuses œuvres spirituelles mystérieuses se passent dans le monde et deviennent visibles en se manifestant au fil du temps, selon le choix humain. Tellement surprenant peut-être parfois la manifestation de la Providence, de la force du Saint-Esprit, qui change le destin de l'être humain de manière étonnante. Et si l'être humain fait le bon choix, orienté vers les bonnes actions et l'aide à l'humanité, si les bonnes pensées dominent en lui, cette force triple et donne à l'être humain des possibilités et des opportunités surprenantes, révélant devant lui ces mystères merveilleux avec la pureté d'une fleur de lotus.